Les élections de représentativité approchent. Alors, pourquoi voter pour des élus CGT ? Les élus CGT examinent scrupuleusement chaque dossier de l'employeur et portent leurs propres sujets dans les ordres du jour. Leurs analyses les amènent à être l'organisation la plus pertinente dans les instances. Oui, mais certains leur reprochent de parfois faire l'impasse sur ces instances. Pourquoi ? Les autres organisations syndicales se décrivent comme des partenaires sociaux. Les élus CGT, eux, sont avant tout des militants dans et en dehors de l'entreprise pour faire évoluer la société. Par exemple, dans la lutte contre la réforme des retraites, il y a eu une intersyndicale. Mais ce sont souvent les élus et militants CGT qui se trouvaient au cœur des actions menées en dehors des manifestations. Ils sont sur le terrain pour organiser les mobilisations. En somme, la CGT décide d'être aux côtés des agents en lutte plutôt que de continuer à traiter des dossiers avec l'employeur. C'est l'essence même du syndicalisme. Oui, et c'est pour cela que des agents, même s'ils ne sont pas syndiqués ou parfois syndiqués dans d'autres organisations, se tournent vers la CGT lorsqu'ils sont traduits en commission de discipline. Ils savent qu'ils peuvent compter sur elle pour les accompagner. On peut prendre un autre exemple. Durant la crise Covid, ce sont les élus CGT qui ont imposé le déclenchement de CSE ou CSEC extraordinaires. Ces interventions ont tout de même permis de mettre en place toutes les mesures de protection nécessaires, y compris celles auxquelles la direction ne pensait pas. C'est vrai qu'à la CGT, les questions de santé et de sécurité sont importantes. C'est pour cela que ces élus déclenchent souvent des alertes pour dangers graves et imminents et qu'ils sont les seuls à batailler sur le sujet de l'amiante. Mais parfois, ces alertes sont levées par la direction grâce à l'appui d'autres organisations syndicales. Donc, en résumé, les élus CGT sont formés, compétents et militants. Alors du 6 au 13 novembre, je vote et je fais voter CGT dans mon intérêt, mais aussi pour l'intérêt collectif.